Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'équinoxe d'automne. Alors cette fois-ci, je voulais faire la suite de la vidéo que j'ai fait sur la pleine lune en poisson pour vous parler de l'équinoxe d'automne qui arrivera juste dans la foulée. Donc on aura le soleil là qui va transiter la signe de la balance le 22 septembre à 21h21. Donc là j'ai mis à 21h parce que je peux pas mettre les minutes, mais si je mets les minutes, j'ai les maisons en extérieur, je voulais pas. Donc là, bon, enfin le soleil il passe juste en balance, donc demain soir. Il va rejoindre Mars d'ailleurs, en balance. Donc on va tomber dans l'équinoxe d'automne, qui fait suite donc à cette pleine lune en poisson. Alors, donc c'est intéressant parce que bon, on arrive à la période d'automne. On a les énergies martiennes, entre guillemets, qui vont commencer à s'activer, hein, le soleil fait un aspect, ce qu'on appelle appliquant, c'est-à-dire qu'il rejoint la planète Mars, donc un aspect appliquant à Mars en conjonction, en maison 7, donc l'énergie martienne va être de mise, mais elle est en exil en balance, donc c'est un Mars qui est pas à l'aise, qui est pas bien du tout dans ce signe-là. C'est un Mars, comme on pourrait dire, c'est l'énergie qui est... Qui est, comment dire, qui réagit en fonction du pour et du contre. En fait, l'énergie martienne est une énergie active, franche et directe en bélier, mais en balance, c'est une énergie un peu, entre guillemets, retardée. C'est-à-dire que c'est un peu l'action, mais à contre-temps, si on peut dire. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que Mars, forcément, il maîtrise quelque part donc aussi le scorpion, et là on voit il y a une réception mutuelle donc avec Vénus actuellement. Donc Vénus c'est la planète maîtresse de la balance, donc là il s'échange si vous voulez les planètes. Je te prête ma planète dans mon secteur, hein, dans ma maison, enfin dans la maison, dans mon élément, hein, dans mon signe. Donc Mars c'est plutôt le scorpion, Vénus c'est plutôt la balance, là Vénus est en scorpion et Mars en balance. Donc là il peut y avoir si vous voulez de l'énergie par rapport au. Il peut y avoir des tensions, par exemple au niveau affectif. Il peut y avoir comment on peut appeler ça, des disputes entre guillemets. Bon après, il faut regarder les aspects de Mars en tant que tel. Donc là, si on prend ici le thème donc de la 5e République que j'ai mis au centre, donc il y a plutôt des effets bénéfiques, on va dire. Là, il y a un trigone de Mars natal, il y a un trigone à Saturne, transit. Un sextile au nœud lunaire, enfin un trigone au nœud nord, sextile au nœud sud. Donc plutôt un Mars actif positif, un Mars qui est plutôt, comment je pourrais dire, positif. Donc l'énergie est bien mise au service de l'action positive, pour la construction de Saturne, bonne énergie Mars. Il y aura néanmoins l'opposition donc avec Eris et la Lune. Hein, donc après coup, donc d'ici quelques jours, donc ça peut réactiver ce qu'il y a eu donc l'opposition Lune-Mars du 21 septembre qui a eu lieu dès cette nuit, enfin dès le matin. Mais là, il y a une opposition avec la Lune de la France qui va se former. Donc pour revenir un peu à la situation actuelle, parce que c'est un peu ça aussi qui nous intéresse. Là, il peut y avoir, si vous voulez, comme la Lune est maîtrisée par Mars, c'est une Lune en bélier, il va se trouver en face, ça représente le peuple, la foule, on pourra s'attendre à peut-être en France de la violence de la part du peuple, la Lune, hein, représentée par le peuple, la foule, tout ça. Donc il peut y avoir des discordes, là, il peut y avoir comment dire, des problèmes qui risquent de commencer, entre guillemets. Alors bon, c'est pas la période peut-être la plus forte, parce que quand les planètes seront en scorpion, alors on y reviendra par la suite, ce sera encore plus puissant. Mais là, en attendant, en bon en balance, voilà, on cherche l'harmonie. Donc là, ce que je vous dis, c'est des actions en justice, hein, qui a lieu actuellement par rapport à tout ce qui se passe. Hein. On est dans une énergie balance, donc par rapport à la crise sanitaire, enfin, qui est dite entre guillemets sanitaire, hein, c'est une crise mondiale, hein, c'est même une crise économique en fait, c'est une crise une crise philosophique, une crise spirituelle, une crise de tout ce que vous voulez. Voilà, on a le Mercure qui passe sur le nœud nord avant de rétrograder bientôt, d'ici le 27, si je me trompe pas, Mercure rétrogradera. Voilà.
le 27 septembre, on a un petit air. Donc là, il faut éviter de signer hein, comme Mercure rétrograde pendant cette période, donc lundi prochain, et ce pendant 3 semaines, jusqu'au, je crois, 18 octobre, si je ne me trompe pas, non, 28, attendez, jusqu'au, c'est ça, 18, 17, et 18, il repasse direct, voilà. Donc là, il y a presque un mois, hein, 3 semaines. Donc c'est pour ça que, voilà, avec Mercure rétrograde, il faut éviter de signer. Je suis allé trop loin, là. On est le 22. Donc voilà, donc attention aux signatures. Donc là, le Mercure, actuellement, il tombe sur le nord de la France. Donc là, il peut y avoir quelque chose d'important par rapport à la communication, les échanges. Mettre 2, 3, 4, je sais pas, enfin pour mettre 2, 6, 7, les partenariats. Il peut y avoir une avancée pour la France, alors, je sais pas, par rapport peut-être les négociations, la diplomatie, peut-être par rapport à l'histoire des sous-marins là. Voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre actuellement? Bon, on a la Lune sur le nœud sud de la France, hein, déjà que la Lune était conjointe en Bélier, donc elle est repassée dessus. Bon, ça c'est un aspect qui dure une journée. Voilà, donc ça peut refaire quelque chose de karmique si vous voulez, vu qu'il y a une opposition à Mars qui est un peu là dans le ciel. On peut s'attendre à peut-être des tensions. Voilà, bon, enfin après à voir hein, qu'est-ce que ça peut être. Peut-être pour les prochaines. Manifestations, alors plus pareil que la lune natale, parce que la lune sera passée après. Les manifestations, les prochaines, ça a lieu le 25. Le 25, samedi 25, la lune voilà, sera fin taureau, puis elle passera sur Mars. Elle passera sur Mars. Ça sera le lendemain. Mais il y aura une lune en taureau, ça devrait être plutôt calme du coup. Bah, après, faut voir, hein. Pas forcément. Mais une lune en taureau, voilà, c'est moins actif qu'une lune en bélier, forcément, ça va être moins virulent, moins violent, moins agressif, plus posé. Donc voilà. Donc ce que je peux dire sur le thème pour le moment, donc on a toujours pas être rétrograde, c'est le mois d'octobre qui sera beaucoup plus. Important déjà, octobre-novembre, parce qu'on aura toutes les planètes là, enfin beaucoup de planètes qui passeront direct, Saturne, Jupiter, Pluton, je crois, Neptune, enfin je vous l'envoie, et on aura donc des planètes qui arriveront en Scorpion aussi par la suite, donc fin octobre. On aura déjà Mercure qui va rejoindre Vénus, etc. Et ce qui va être important, c'est quand Mars sera en Scorpion, là, il va y avoir quelque chose d'assez. D'assez violent parce que ça va réactiver un carré avec Saturne, enfin on en reparlera, et ça va réactiver un peu le discours de Macron du 12 juillet, hein, comme un instant en Lyon, il y avait une opposition avec Saturne, je crois, donc là ça peut réactiver ce discours, entre guillemets, puis nous annoncer quelque chose de pas très sympathique, en plus en Scorpion, donc à voir, on en reparlera. En tout cas, les actions risquent d'être assez dures et violentes, donc on en reparlera par rapport à ce qui se passera. Donc voilà pour l'astrologie, je vais pas faire trop long. Ensuite, donc pour les infos, alors ça fait un moment, alors je vais essayer de résumer un peu ce qu'il y a eu depuis 2 semaines. Alors déjà, on a un rapport du passeport vaccinal européen qui a été prévu depuis 2018 par la Commission européenne. Donc ça, c'est... Voilà, on voit encore bien que ça a été voulu, tout ça, on sait bien. Donc je mets le lien sous la description de... Le lien de ce passeport vaccinal donc européen en description sous la vidéo. Donc il y a tout un rapport hein, officiel, donc je n'invente pas. on a aussi donc l'Europe qui veut créer un euro digital, donc arme ultime de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Donc ils veulent s'émanciper, on sait bien, de l'euro numérique, enfin l'euro actuel. Donc il y a un peu tous les pays qui font ça apparemment. Alors j'ai regardé une interview de Olivier Delamarche avec Max Kaiser, très intéressant. Un qui est pour le Bitcoin. Max Kaiser, l'américain là,
anglais ou américain, je crois qu'il est américain, et Olivier Delamarche qui est contre le Bitcoin, qui dit que c'est l'État qui ne lâchera pas ses monnaies, donc que c'est pas une monnaie viable et très sûre, car le Bitcoin a des variabilités très fortes. Si on investit dedans, bah ça peut monter très haut, comme ça peut descendre de manière vertigineuse, voilà. Donc c'est un actif assez risqué. Mais selon Max Keiser, c'est l'avenir, parce que tout sera digital. Et même les monnaies, on va dire, comme l'euro ou les monnaies dites maîtrisées par les banques, entre guillemets, pour lui, c'est de la merde, en gros. Parce que ça fait comme maintenant, c'est-à-dire que les banques ont un contrôle, tandis que la Bitcoin, il n'y a pas un contrôle. Enfin, c'est compliqué, hein. J'essaie de suivre parce que je suis pas du tout spécialisé dans le domaine, mais c'est tellement décentralisé, enfin, il n'y a pas de prise en fait, apparemment, ce que j'ai compris. Donc, bon voilà, après, bon, il y a les pour et les contre, moi je pourrais dire, c'est vrai que moi je suis pas pour ce type de monnaie digitale, même si on y est plus ou moins, parce qu'on déjà on fait tout de plus en plus de manière numérique, mais de moins en moins avec les billets, mais c'est le but, c'est parce que le but c'est de supprimer à terme donc le cash. Les billets de banque, les pièces, et de faire tout dans le numérique. Après, est-ce que ça va fonctionner? Mais vu qu'on va dans un monde comme ça, voilà, c'est déjà si on refuse ce monde-là, c'est sûr que faut pas prendre un côté et refuser ce qui nous arrange, parce que enfin, ça nous arrangera pas du coup, parce qu'on sera tous prisonniers. Parce que le but, c'est ça, c'est d'un peu d'enfermer les masses et être dépendant, avoir un contrôle total sur les citoyens. Bon, enfin, par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place, de ce que je sais, mais après, concrètement, est-ce que c'est viable? Voilà, c'est tout ça aussi qui est intéressant de savoir. Donc, alors, c'est pas facile de tout voir, de tout être sûr à 100%. Pour moi, personnellement, je pense que ce sera pas viable. La monnaie numérique, je sais pas, enfin, il y aura toujours besoin de billets quelque part. Enfin, j'ai du mal à imaginer le tout sans. Papier, enfin, c'est possible hein, que ça se fasse progressivement, mais il y aura toujours des commerçants qui auront besoin de papier, d'échanges et tout. Puis selon les crises qu'il peut y avoir, après c'est le but, hein, c'est sûr, de mettre ça en place. Une crise pour mettre après, qu'on dise l'effondrement de la monnaie ne vaut plus rien, comme au Liban, ce qui risque apparemment, selon eux, d'arriver d'ici l'année prochaine. Hein, parce que voilà, enfin même là, peut-être dans les semaines à venir, s'il y a un crack, qu'ils ne voyaient pas forcément, mais en fait c'est une désagrégation progressive en fait, depuis cette crise. Donc c'est ça aussi le scénario, c'est-à-dire qu'on voit que tout se délite, et que l'inflation, s'il y a un risque d'inflation, après la monnaie peut ne plus rien valoir, s'il n'y a pas l'inflation, etc. Enfin, après c'est l'économie, hein. Je ne vais pas rentrer dans trop les détails, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais bon, de ce que je sais un peu, voilà. Il y a le scénario du crack, le scénario de l'effondrement progressif. Ce que je penserais plus d'un côté, parce que, comment dire, par rapport à l'astrologie, on voit que tout se fait progressivement, mais c'est vrai qu'il peut y avoir avec Uranus des ruptures soudaines. Donc c'est vrai qu'un crack est possible aussi, un crack économique, surtout actuellement, avec Uranus en taureau, donc carré Saturne, donc c'est le cycle des crises économiques. Donc c'est possible qu'il y ait un crack, mais peut-être cette crise, elle est justement enfin, financière, enfin monétaire, c'est-à-dire que la monnaie ne vaudrait plus rien au fur et à mesure. Donc un crack progressif qu'on vit depuis 2020, donc jusqu'à 2023, là. En plus, Pluton passera en en Verseau en 2024. Pluton, c'est aussi la monnaie, c'est aussi le pouvoir, c'est aussi l'argent, quelque part, c'est le signe du scorpion, donc enfin la planète maîtresse du scorpion. Et Uranus en taureau, les monnaies numériques. Enfin, ça, j'aurai l'occasion d'en reparler pour les prévisions donc 2022, on en reparlera. Parce que là, ça va être au cœur, je pense, de l'année. Et donc voilà, ensuite, pour continuer pour les infos, pour le moment, les manifs de la dernière fois, bon, ils ont minimisé parce qu'ils ont voulu faire, je sais pas, un sitting, je sais pas, des personnes. Mais le 11 septembre, il y a eu quand même un gazage des innocents. Hein, ils ont été nassés, il y a eu les femmes, les enfants, les personnes âgées qui ont été gazées. C'est la guerre! C'est la guerre! C'est la guerre! C'est la guerre! Voilà le gouvernement, à son peuple, ce qui lui répond. Voilà, c'est la guerre! Voilà comment il veut faire vacciner les gens, Macron! Voilà son passe, comment ils vont le faire passer! Voilà!
Ceux qui appellent ça une démocratie. Allez vous faire enculer, d'accord? Voilà, regardez le peuple. Regardez le peuple gazé là pour rien. Regardez, regardez. Regardez, on est bloqué de tous les côtés. On ne peut aller nulle part. Allez, partagez la réalité sans qu'il passe pas sur BFMR TV là. Allez, regardez, on est gazé des deux côtés, regardez. On peut plus rien faire, regardez. Regardez. Il faut. On peut plus s'échapper, on peut plus rien faire. Merci. Merci beaucoup. Putain d'enculé. Il continue ces enculés. Là ils nous ont baisé, là ils nous ont bien baisé. Regardez-moi ça. Quel bande de bâtards. Je sais plus où aller. Vite, rentrez dans les magasins, vite! On va se faire baiser là, on va se faire baiser. Du calme! Du calme! C'est pire ici, hein! Bon, désolé les amis, je vois plus rien! Merci beaucoup. Il est ouvert? Oui, il est ouvert. Regardez ce qu'il fait. Voilà, ils nous ont bloqués de chaque côté. Voilà, des papas, des mamans, des papis, des mamies qui viennent défendre leurs enfants. Regardez! Regardez ce gouvernement! Comment ils veulent faire passer son pass? C'est du compressif. Montez, changez d'étage. J'essaie de me trouver un masque. Harvey, je suis là. Harvey, ouais, t'es derrière toi. D'accord. Il continue. Putain. Oh là là. Oh là là, mais c'est des fous. C'est des fous ce qui se passe. Les amis, partagez-moi en masse ce live. Montrez la réalité là. Voilà. Non. Et venez encore me dire dans le live que c'est pas la dictature ici parce qu'on n'habite pas en Corée. Voilà un peuple qui manifeste, regardez. Regardez, on manifeste juste pour quoi? Pour l'avenir de nos enfants. Regardez. Regardez la réponse de Macron. Bien que ça commence à. Les manifs, ça commence toujours comme ça, hein. C'est pacifique, puis après ça tombe dans la violence. Donc, voilà, après, c'est pas que je suis contre, mais je me dis. Parce que moi, c'est pareil, j'étais aussi pour. Enfin, j'ai un peu aussi participé à ça, mais
je sais au fond de moi que ça changera pas vraiment. Enfin, je veux dire, on est trop peu pour que y a trop peu de gens qui sont éveillés en France. On n'est pas assez. On serait des millions et des millions, 10 millions, je sais pas, 20 millions. Ça serait une autre histoire. Mais là, on est très peu, même si je sais que les médias minimisent à fond. Mais voilà, c'est ça le problème aussi. Donc pour l'instant, moi, les manifs, je vois pas ça la solution. En plus, de toute façon, ça finit toujours dans la violence, donc c'est pas la solution, quoi. Voilà, après, c'est une question de choix. Il y en a qui sont pour la violence, d'autres pas, pour changer les choses. Donc après, voilà, chacun après son... Je sais qu'il faut pas non plus se laisser faire, hein, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut être plus malin et puis peut-être vivre le meilleur moyen, comme j'ai toujours dit, c'est de vivre un peu hors système, vivre en marge. Alors là, on l'est quand même plus ou moins pour la plupart, hein, ceux qui n'ont pas accepté donc la picouse, les tests, les machins, ils peuvent plus rien faire. Hein. Moi, je vois bien, hein, je peux plus rien faire du tout. Je refuse tout, donc c'est extrêmement dur de vivre dans une société, à part pour des petites courses ou des choses comme ça, mais sinon, on ne peut rien faire. Hein. Les sorties... même le travail, voilà, ça dépend des jobs, mais voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, donc c'est très compliqué. Surtout que bah, le problème, c'est qu'on nous annonce que le pass risque d'être prolongé au-delà du 15 novembre, donc c'est Macron qui a fait savoir. Il y a des annonces comme ça qui se font par-ci par-là. Pour les présidentielles, on aura besoin du pass pour le vote. Parce que ça les arrangeront bien, forcément. Dans l'entourage du Premier ministre, on a un projet de loi visant à proroger le pass sanitaire, donc comme j'ai dit, le 15 novembre, et qui sera présenté le 13 octobre prochain au Conseil des ministres. Voilà, donc ils vont commencer à débattre de ça, le 13 octobre, savoir si on continue ou pas à le prolonger. Donc voilà, donc bon, enfin, après, c'est mon avis. C'est vrai qu'il ne faut peut-être pas prendre trop parti, je sais bien, on m'a fait la remarque, mais en même temps, c'est difficile de pas parler de la situation actuelle et de prendre parti ou pas. Enfin, si on reste trop en surface, on peut pas aller au fond du problème, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est vrai que moi, en tant qu'astrologue, des fois, j'aimerais bien être plus donc partial, entre guillemets, c'est-à-dire essayer de survoler un peu comme la plupart des astrologues font, c'est-à-dire une astrologie un peu abstraite où on parle juste des énergies, mais on rentre pas dans le cœur du sujet, de ce qui se passe actuellement, mais moi je trouve que c'est important de comparer ce qui se passe avec l'astrologie, et c'est vrai que je me positionne. Alors j'ai pas trop le choix par rapport à ce que je dis, forcément je dénonce des choses, donc après on peut me traiter de complotiste, mais si on n'est pas d'accord avec la doxa actuelle, on est complotiste, donc moi je dis certaines infos que je vois, après... vrai ou pas, bon, bah, la plupart, normalement, elles sont sourcées. Il y a des choses, peut-être que je me trompe, mais la plupart sont quand même sourcées. Donc, je pense pas être complotiste. Après, voilà, il y a complotistes et complotistes. Hein. Je crois pas à la Terre plate, par exemple. Donc, voilà, bon, après, il faut essayer de relativiser les choses. Mais je sais que bah, je peux pas plaire à tout le monde. Hein. Il y en a peut-être qui écoutent, bah, ça leur plaît pas, ouais, il est pas pour le vaccin, il est pas pour le, je sais pas quoi, le pass, ou j'en sais rien. Mais après, à la rigueur, je m'en fous, hein. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si ça plaît pas, après, les gens, vous regardez pas, quoi. Moi, j'essaye de faire au mieux, le plus honnêtement possible. J'essaie de dire ce que... Je peux me tromper, c'est sûr, peut-être que j'ai peut-être pas raison sur tout. Mais en tout cas, bah voilà, je... En tout cas, j'essaie de transmettre les infos qu'on ne voit pas forcément à la télévision, dans les grands médias. Donc, je pense que ça, vous pouvez me le reconnaître, que c'est quand même assez, quand même, d'intérêt public, quoi. Donc, voilà. Donc, alors, je vais continuer. Donc, on a le gouvernement britannique qui renonce au passeport vaccinal, là. Donc, forcément, ils ont vacciné pas mal. Donc, ils ont annoncé le dimanche, donc pas celui-là, le dernier, qu'ils renonçaient à leur projet de mettre en place donc un passeport vaccinal en Angleterre pour permettre à la population de se rendre dans des endroits très fréquentés. Et Londres travaille en outre sur un nouveau plan de lutte contre la Covid. Alors, c'est pareil, ça faut pas trop se réjouir. C'est comme nous, peut-être qu'ils vont le retirer, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place? Ça va être quoi après l'étape suivante? Surtout qu'au même moment, bah, on a Tony Blair qui indique qu'il faudrait mettre en place le passeport vaccinal au Royaume-Uni, parce que sinon, il risque à nouveau un reconfinement. Ensuite, on a le New England Journal of Medicine, donc journal anglais, qui admet qu'une femme enceinte vaccinée sur 8 subit un avortement spontané.
Donc il y aurait beaucoup de perturbations menstruelles qui commencent donc à inquiéter les médecins, hein, derrière le discours officiel. Donc plus de 30 000 femmes seraient concernées par des troubles menstruels, donc en Angleterre. Et on a aussi l'arrestation du docteur Théron, parce qu'il soignait avec le protocole du professeur Raoult, notamment l'ivermectine. Donc il y a une vidéo hein, sur internet, je pouvais la retrouver, sur Twitter, donc il se fait carrément traîner, mis à terre, interpellé et mis donc en garde à vue par la gendarmerie. Voilà. Alors ensuite, on a en Chine des élèves de primaire qui sont surveillés par une puce électronique. Un système de surveillance qui pourrait bien devenir la norme dans les établissements scolaires chinois, comme le rapporte le journal Zhuhai Techbao. Dans un article repéré par Courrier International, une école primaire de la ville de Zhuhai, dans le sud-est de la Chine, a mis en place un système de puces électroniques intégrées dans le col des chemises des élèves, afin de surveiller leurs faits et gestes. Cette innovation permet notamment aux élèves d'accéder à leur classe sans avoir à scanner leur carte ou leur visage avec un système de reconnaissance faciale. Donc voilà le monde à la chinoise auquel on risque d'avoir droit, parce que c'est le modèle qu'on va prendre, qu'on prendra forcément au fur et à mesure. Donc on voit bien les systèmes de puces, tout ça, qui se mettent en place, hein, de reconnaissance. Donc ça fait, voilà, c'est un peu inquiétant. Ensuite, on a la vaccination des blagues obligatoires, donc des soignants. La France va se séparer de 350 000 personnels soignants, donc également concernés les gendarmes, policiers, pompiers, donc ça, vous l'avez vu. Donc forcément, bah, ça crée beaucoup de tensions et beaucoup de désœuvrement, beaucoup de désespérance, enfin, de désespoir, beaucoup de problèmes. Alors on a aussi Éric Zemmour démasqué. Bah oui, vous savez qu'il veut se présenter à la présidentielle, soi-disant. Donc apparemment Columbia, Rothschild et JP Morgan seraient derrière, on va dire, la campagne de... les financements de la campagne de Zemmour. Tiens, ça fait un peu comme un certain Macron à l'époque. Donc c'est des révélations sur Julien Madard, le financier d'Éric Zemmour. Donc voilà, donc on a encore voilà, cette grosse manipulation qui se met en place. Donc, on ne serait pas étonné s'il arrive en tête, voire présidentiable à l'année prochaine, donc à voir après comment ça va évoluer. Alors, les citoyens suisses se révoltent, installent des tables à l'extérieur devant les bars, les restaurants, en ignorant le pass vaccinal. Donc voilà, ça fait un peu comme en France, ça commence à arriver en Belgique, on a dit, maintenant en Suisse. Donc les gens, forcément, font un peu les mêmes actions, hein. Ils refusent, donc ils s'est trouvé des moyens plus malins pour contourner le pass, donc voilà. Reconnaissance faciale, géolocalisation, l'effrayante application australienne contre la Covid-19. Donc il y a un État australien qui vérifie si la population respecte bien son isolement en testant un logiciel particulièrement intrusif. Donc à cause de la pandémie, les quarantaines de 14 jours sont imposées aux voyageurs qui circulent d'un État à l'autre en Australie. Et donc pour assurer le respect de cette règle, l'Australie méridionale a développé et testé à partir de cette semaine l'application Mobile Home. Quarantaine SH, qui se distingue par son caractère particulièrement intrusif. En effet, elle associe reconnaissance faciale et géolocalisation pour vérifier que les gens restent bien isolés. Une première. Concrètement, donc, les autorités envoient des SMS à des moments aléatoires auxquels les personnes concernées doivent réagir en moins de 15 minutes avec un selfie pris à l'endroit où elles sont déclarées être. Donc, et si la réponse n'est pas satisfaisante, la police locale est envoyée pour vérifier sur place. Donc l'Australie, c'est terrifiant, c'est un truc de fou. C'est, à chaque fois, tous les jours, je vois des infos sur l'Australie. C'est, voilà, maintenant on est arrivé, j'ai un SMS des flics, tiens, ah bah vite, faut que je me prenne en photo, c'est bon, je suis bien chez moi. Hein. Ouais, sinon, t'es, hop, on arrive, et puis amende ou menotte, enfin j'en sais rien, enfin, en tout cas, il y a une répression. Donc c'est terrible, l'Australie, c'est vraiment le labo du nouvel ordre mondial, ça. Alors, on a la Chine qui maintenant mène la charge de la 6G. Donc, oubliez la 5G, maintenant la Chine se met à la 6G. Donc, alors que le monde est encore en phase de transition avec la 5G, donc la recherche est bien avancée pour la prochaine itération de la norme technologique des réseaux mobiles à haut débit, donc la 6G, déploiement qui serait pour 2028-2030. Et la vitesse serait 10 fois supérieure à la 5G. Alors, déjà que c'est un grippin la 5G, donc là. Avec la 6G, voilà, c'est même pas la peine. J'imagine pas les dégâts que ça peut faire sur le corps humain. Et on a Pfizer donc, qui a annoncé qu'il a rappelé tous les lots de son traitement anti-tabac, Chantix, en raison de la présence dans les pilules de niveau élevé d'agents cancérigènes appelés nitrosamine. Alors voilà, encore un scandale comme quoi Pfizer n'est pas tout propre, on le savait déjà.
Et là, en plus, ils annoncent que le vaccin pour les enfants de 5 à 11 ans, je crois, par là, serait sûr. Donc voilà, on va commencer à obliger les gosses à se faire piquer et tout le monde, quoi. Donc, bon, enfin, faudra se préparer le tout vaccinal, hein, toute l'obligation entière. Alors, enfin, on a Jacques Attali qui nous fait un petit discours là de la dystopie annoncée. Donc, je vous mets le lien de cette vidéo. Et puis, écoutez, c'est assez terrifiant. Bonjour. Changer de code. Changer de quoi? De code vestimentaire, de code alimentaire, de code secret, de code de son téléphone, de code de quoi? De code logiciel, tellement de codes. Du code social, du code de comportement à l'égard les uns des autres, du code de politesse, du code de la route. Le code, ça renvoie à un ensemble de lois, un ensemble de règles. Est-ce que nous devons changer l'ensemble des lois et des règles qui nous gouvernent? Sans doute, bien des choses doivent être changées. Faut-il changer le code génétique? Peut-être aussi, pour faire en sorte que nous agirions mieux en étant un être humain un peu plus responsable, un peu plus compassionnel, un peu plus empathique. Peut-être faut-il toucher à ça, peut-être ne faut-il pas toucher à ça. Changer de code, ça renvoie à ce qui doit être invariant dans l'homme et ce qui ne doit pas l'être. Au fond, qu'est-ce qui doit être invariant? Qu'est-ce qui doit rester propre de l'homme? Qu'est-ce qui est ce à quoi on aura de toucher? Quand on regarde l'histoire de l'humanité, on se rend compte que l'humanité touche à tout, y compris à lui-même. Et que l'histoire de l'humanité, j'ai essayé de le montrer de livre en livre, c'est une lente traduction de l'être vivant en un objet, en un artefact. Progressivement, nous sommes complétés par des prothèses, et puis les prothèses viennent en nous, et nous devenons progressivement nous-mêmes, sans nous en rendre compte vraiment, des prothèses. Notre code génétique lui-même, progressivement connu, et c'est très bien ainsi, progressivement pénétré, c'est très bien ainsi. Nous sommes de plus en plus capables de lutter contre ces défauts et c'est très bien ainsi. Nous sommes très capables de créer des vaccins qui vont protéger ce code, l'améliorer, le défendre contre les virus et c'est très bien ainsi. Et puis au bout de la route, c'est quoi? C'est de fabriquer d'une façon artificielle à partir de ce code et de tout le reste de ce qui forme la vie des êtres artificiels. Est-ce qu'il y aura un jour une frontière qu'on mettra pour protéger l'essentiel de la vie contre l'artificialisation des codes? Où serons-nous un jour, dans bien longtemps, par le biais de cette maîtrise des codes, des objets comme les autres, qui se croiront éternels parce qu'ils ont été fabriqués artificiellement, puisque c'est dans l'artefact que se situe la vérité? Mais peut-être voulez-vous parler des codes d'une façon beaucoup plus prosaïque. Est-ce qu'il faut nous changer nos codes de politesse? Ça se fait tous les jours. Est-ce qu'il faut changer nos codes alimentaires? Il faut le faire. Il faut manger autrement. Il faut manger plus sainement. Est-ce qu'il faut changer nos codes de relations les uns avec les autres? Sûrement. Plus empathiques, plus doux, plus tolérants, plus respectueux, plus bienveillants, plus altruistes. Oui. Et le code social doit passer d'un code de l'égoïsme et de l'avidité à un code de l'altruisme et du respect. Comment le faire? Est-ce que ce sera un changement brutal? Est-ce que ce sera un changement volontaire? Est-ce que ce sera un changement progressif? On y viendra. Nous passerons du code de l'égoïsme et de l'avidité au code de l'altruisme et de l'empathie. Ça viendra. Après un choc, sans doute. Donc il nous appartient de commencer à le faire. Et pour ça, de prendre conscience que dans la crise actuelle, tous les codes sont remis en cause, toutes les règles sont remises en cause, et en particulier celles qui déterminent la nature de ce qu'on voit, de ce qu'on fait, de ce qu'on pense. On pense aujourd'hui à court terme, chacun pour soi. Il faut penser à long terme pour les autres, et donc à long terme pour les générations futures. Le vrai code doit être celui qui rend possible la vie aux générations futures. Ça, c'est la clé de notre destin. Nous ne survivrons pas nous-mêmes
si nous ne donnons pas les moyens de vivre aux générations futures. Notre vie dépend non pas de notre passé, mais de notre avenir. Notre vie ne dépend pas seulement de nos parents, mais de nos enfants. Si nous ne créons pas les conditions d'une vie décente pour nos enfants, nous ne vivrons pas. C'est pourquoi j'appelle à la création d'une société positive, et à l'intérieur de cette société positive, d'une économie de la vie, c'est-à-dire une économie où ne sont véritablement tolérés par tous les codes que les secteurs qui sont utiles à la vie, et pas les secteurs qui l'empoisonnent. Ne pas autoriser le sucre, ne pas utiliser le tabac, ne pas autoriser l'alcool, ne pas autoriser le pétrole, ne pas autoriser tout ce qui découle de ces activités, qui sont une large partie de l'alimentation, une petite partie de l'agriculture, une large partie de l'industrie des transports, automobiles, aériens, chemin de fer, une large partie de l'industrie mécanique, de l'industrie chimique, de l'industrie de textile, alors que il faudrait développer l'économie de la vie, c'est-à-dire les secteurs de la santé, de l'hygiène, de l'alimentation, de l'éducation, de la culture, du digital, du numérique, de la sécurité, de la démocratie, du logement durable, de l'énergie durable. Si on fait tout cela, on recrée un code de la vie autour d'une économie de la vie au service des générations futures, et on aura réussi ainsi à créer les conditions de ce monde qui nous manque tant. Je vous souhaite le meilleur. Et enfin, on a le problème donc de l'alliance AUKUS, donc Australie, Royaume-Uni, États-Unis, donc c'est les abréviations de leur initiale, donc par rapport au problème de l'affaire des sous-marins australiens là. Alors c'est assez complexe, je vous invite à suivre l'analyse de François Asselineau sur son site, la UPR TV. Je trouve vraiment intéressant parce qu'il dit que ça peut aller loin, donc ça peut aller jusqu'à une guerre entre la Chine et puis le bloc occidental, quoi, en gros. Donc c'est vrai que ouais, c'est assez inquiétant. Donc là, les États-Unis, apparemment, ils ont déployé des bases à eux en Australie pour défendre Taïwan contre la Chine. Donc il y a tout un jeu de géopolitique, là, de stratégie militaire. Donc à chaque fois, la France, c'est le dindon de la farce là dans l'histoire. Donc ils ont dû arrêter là, les chantiers navals, là, Naval Group, là, depuis des années. Alors on parlait d'une vengeance par rapport à ce qu'ils ont fait aussi. Donc le truc des Mistral là, à l'époque, bon, enfin bon, il y a toute une histoire dessus, donc je vous conseille d'écouter l'analyse de Asselineau, même de Philippot aussi, c'est intéressant. Voilà, donc j'ai fait le tour des vidéos, donc énormément de choses à dire vu que j'avais pas fait d'analyse de l'info donc, ces derniers temps. Voilà, donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est important pour avoir le plus de vues possible, se faire être visible. En même temps, bon, le fait de ne pas être trop visible, j'ai pas trop de problèmes peut-être avec YouTube, enfin, j'en ai moins en tout cas depuis un moment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, malgré ces infos très anxiogènes malheureusement, mais on est obligé d'en parler vu que ça fait partie de notre quotidien, enfin de nos vies, on va dire, enfin du monde, hein, savoir comment il tourne. Donc forcément, le jour où ça ira mieux, on dira des bonnes nouvelles, mais là, c'est vrai que c'est compliqué. Donc bah voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et à la prochaine, au revoir. Thank you.